Bonjour Mathieu Michel, j'espère que vous allez bien, moi très bien. Aujourd'hui on est là pour faire la pale du mois, enfin du mois, non, de l'été, la pale de l'été. Voilà, du coup je vais vous faire découvrir 20 livres que j'aimerais bien lire. Bon, on va dire, je suis désolée mais bouger, mais voilà, j'ai mon truc qui m'embête. On va dire plutôt que ce sera une pioche à lire pour l'été. Voilà, j'ai tous les livres qui me donnent envie. Oh, j'en oubliais un. Je vais en mettre deux de plus. Voilà. Hop, je fais tout. J'ai trouvé deux livres de plus qui me tendent. En plus, avec un marque-page que j'ai pas rangé encore. Du coup, j'en aurai deux en plus. Ça sera 22 livres. Je vais commencer par le livre que j'ai pas encore en ma possession, mais il va arriver aujourd'hui. Du coup, je vous présente le tome 1, ce sera le tome 2 et il faut absolument que je le lise, j'ai trop envie. Du coup, c'est celui-ci, mais le tome 2, voilà, c'est Tosh Girl saison 1 pour moi, mais moi, ce sera la saison 2 que je lirai. J'ai lu le 1 et j'ai beaucoup apprécié. Je vous en dis pas plus, je vous le retrouverai en lecture au mois de juillet. Voilà, du coup, je vous en dis pas plus, mais le tome 2, je veux le lire. Je pense que c'est un des livres qui va passer plus vite que les autres. Voilà. Du coup, on va commencer par celui-ci. C'est Jamais avec mon colloque d'addictif poche. Je sais pas si vous aurez plus clair. Parce que aujourd'hui, il fait horrible. Horrible. De Jana Pex. Pex. Chez Addictif. Voilà. Il me donne très envie. J'aime beaucoup cette couverture. Je sais pas si je voulais la. Je dis un petit peu. Il ne devrait pas céder et il le fera quand même. Voilà. C'est il ou elle, je sais pas. Jamais couché avec son colocataire. Mais ils vont changer d'avis. Voilà, voilà. Après, je prends. Golf Love. De chez Hugo Roman, dans la collection Nous Romans, c'est de Eugénie Dillen. Voilà, il a fait un moment qu'il est dans ma palle et je veux absolument le lire. Je sais pas vraiment ce qui se passe parce que voilà, j'ai pas trop envie. Voilà, peut-il vraiment réparer tout le cœur brisé? C'est tout ce que je sais et je n'en veux pas plus. Voilà. Vous pouvez mettre en commentaire quel livre que vous voulez lire avec moi pendant l'été ou voilà, dites-moi tout ça en commentaire. Ou lequel que je dois lire en premier. Celui-là, je l'avais vu passer et il me donne très envie. Et en plus, le chapitre, il est beau. Je vous laisse voir la couverture. Voilà, c'est un... je ne sais pas comment on dit. Il n'y a pas de maison d'édition, j'aurais dit comme ça. J'aime beaucoup le torse. Je sais juste que ça va parler de cow-boy, si je dis pas de bêtises. En Montana. Voilà, il me donne très très envie. Très très envie. Du coup, je pioche un autre, je regarde même pas. Bien sûr, il est à l'envers. Oh, c'est un gros aussi celui-là. C'est nos amours contraires de chez Additive Poche, de Iring Grama, comme voilà. Celui-là non plus, je ne sais pas ce qui se passe, que je lis il y a très longtemps. Tout observe et ça ne leur arrête pas. Voilà, je ne sais pas, mais il tente beaucoup. Il fait quand même pas mal de pages. Voilà. 518, voilà. J'ai pris pas des petits pavés, je vous le dis. Hein. Pour le prochain, c'est Bobby Stay Love de F.V. Sevenet. Je sais pas comment ça se dit. Voilà, je vous laisse voir comme ça vous voyez. Chez Hugo dans la collection Nous Romans. Entre nous deux, l'enquête trouvera-t-il l'amour? Voilà. Du coup, on va à l'amour de Daniela. Préfère laisser ça au comédien romantique auquel il est accro. Qu'est-ce que ça va se passer? Ça me donne très envie. Voilà. Après, je viens de le recevoir, il est tout frais hier. Le défi chez Hugo de Emily Way dans la collection Nous Romans. Un seul règle, pas de sexe.
Voilà, pas de sexe. Et 90 jours d'absence. Voilà le défi que Pac accepte de relever sous le Rex. Je mets mes cheveux dans la poubelle, ça m'emmerde. Pour lui, utiliser le sexe afin de fuir ses tourmentes et sera véritablement exposé. Ce friand a pris les prix des paris. Franchement, celui-là, il est gros, il fait plus de 600 pages, mais il me donne très envie. 675. Est-ce que je vais tout lire? Non. Je choisirai oui. Du coup, c'est aussi, enfin, je vous l'ai déjà montré, c'est de Eugénie Dillène, Off Limit, chez BMR. Voilà. Il me donne très envie, celui-ci, de lire depuis que je l'ai. Et je ne l'ai pas encore sorti de ma palle, je ne sais pas pourquoi. Et je n'ai pas encore. Je ne sais pas ce qu'il va raconter et je m'en fous. Voilà. Un petit poche, Vénus. Elle. C'est déjà même, non? Ah non. Et J.L. Sen, chez Upper Collin, poche, une série. Je devais le lire dans une palle. Enfin, dans un mois. Mais j'ai pas eu le crédit, du coup je le remets ici. Et il faut qu'il me le fasse. Il est le pire qui pourrait lui arriver ou le meilleur. Voilà. J'entends beaucoup de bien et je me dis pourquoi pas se le faire. Voilà. J'ai le tome 1 seulement, mais on pourra stopper. Après, j'ai Rappelle-moi de te détester de chez EH de Victoria A. Arabarzi, si je prononce bien, je suis désolée, qui aime bien nous donne envie de meurtre. Ou un meurtre. Voilà, je ne sais pas non plus de quoi ça parle. Je veux dire ça à tous les livres, mais je les ai lus il y a un moment. Celui-là, ça fait pas longtemps que je l'ai, mais lui aussi, il était dans une palle avec celui-là, mais j'ai pas eu le choix de lire parce que vous savez, le mois de mai a été compliqué pour moi et du coup je crois qu'il était dans le mois de mai et du coup je ne les ai pas lus à cause de mon petit souci. Voilà. Si vous savez, vous voulez savoir, vous allez regarder le vlog de mai et vous saurez tout sur ça. Après, j'ai pris Indol de Christina Calino chez Upper Collin Poche. Me donne très envie. J'aime bien la couverture, elle est simple avec un beau jaune off quand même. Bon, c'est toujours à torse nu, mais on va faire avec. Et là, il est celui que toutes les femmes désirent. Elle n'a rien à voir avec d'autres femmes. Voilà. Il va choisir une femme qui ressemble pas aux autres. Voilà. J'ai la pile de poche qui est en train de monter. Après, j'ai mis mon voisin et un ours à poil agaçant. Un poil agaçant. Chez Harper Collins de Millie Black et Deborah Gurbrand. Voilà, c'est écrit par deux personnes. Mon voisin est un ours. Ouais, quoi qu'il puisse exister, pour l'exister, le sortir de chez lui, d'avoir un ours comme voisin. J'aime beaucoup cette couverture. Voilà. Je pense qu'il va être fait aussi celui-là parce que j'aime beaucoup. Pour le moment, j'ai beaucoup de Harper Collins. Regardez ça. Va bien ensemble dans la bibliothèque, ça donne bien. Après un petit roman que j'attends avec impatience de le lire, et je pense qu'il y a quelqu'un d'autre qui attend que je le lise pour me le piquer, c'est de Plume et de Flamme. Voilà, je vais retirer le bandeau, ça m'emmerde. Hop. De Plume et de Flamme de Esquil Disney, et c'est par Hachette Héros. J'avais lu le tome 1, qui était sur Belle, c'était Rose, je sais plus quoi. Et du coup, je suis impatiente de lire celui-là. C'est un aussi qui va passer pas trop tard à la casserole parce que je dois le prêter à mon ami. Et voilà.
et elle sera contente que je lisse pour elle le récupérer. Celui-ci, c'est un intégral, mais je pense pas lire les trois, je crois que c'est trois tomes dedans, mais je viens de l'avoir. Du coup, c'est Bach. L'intégrale saison 1 de Gilles Croisneuve, je sais pas comment ça se dit, chez HarperCollins Poche. C'est des poches pour eux, c'est un grand poche. Voilà, il y a les trois dedans. Il y a Amour interdit, Amour dangereux, Amour coupable. Moi, si je lis déjà l'Amour interdit, je serai contente. Je l'autre aussi que je pourrais me faire. Je les ai tous, du coup, voilà. Et celui-là aussi qui me donne très envie. Mais pareil, qu'il faut lire les autres avant, du coup, voilà. Du coup, peut-être un moment ou l'autre. Celui-là aussi doit être passé, La Reine des Ombres, de Tricia Levales. J'aime beaucoup cette couverture, ça fait un moment que je l'ai aussi. Et elle était en dédicace, et j'aurais su ça, je l'aurais pris pour me faire dédicacer. Mais je ne le savais pas, elle était au Troll et Légende. C'est pas grave, mais je l'avais pas lu encore. Du coup, et c'est la collection, enfin chez Hugo, mais la nouvelle Starbus, voilà. J'aime beaucoup. Voilà. Après un nom, c'est un nom édité, je ne sais jamais. Une je ne sais pas le nom. De Amélie C. Aster et de Marie Mathias. Voilà, j'ai trop envie de me le faire. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai le petit, si j'arrive à la voir. Je suppose que ça va avec, parce que quand je regarde, ils vont avec. Voilà, du coup, j'ai les deux à se le faire. Celui-là, c'est tout petit, c'est une petite nouvelle. Du coup, voilà, je pense me les faire dans la foulée. Enfin, j'ai envie, mais c'est autre chose. Après, encore un petit poche que j'ai eu à mon amie Mariette. Le colloque d'enfer chez HarperCollins Poche de Karine Marche. Voilà, rien de tel qu'un collègue, un fidèle, un agent pour faire sa vie en enfer. Voilà. Et pour ceux qui intéressent, c'était un petit prix. Du coup, voilà, il est partout à ce prix. N'hésitez pas à le prendre et lire avec moi peut-être. Après, celui que j'ai déjà lu, enfin un que j'ai déjà lu, la même autrice, c'est de Eve de Carland. C'est juste Love, Loulou, je sais pas comment ça se prononce. J'aime beaucoup cette couverture. Et ici, on va suivre Alex. Pour Alex, brillante, avocat, soi-disant une femme et un jeu, donc il sort toujours vainqueur jusqu'à ce qu'il la rencontre. Cette femme qu'elle désire, qu'il veut, mais qui reste totalement indifférent de son charme. Le défi se lancer. Pourra-t-il la conquérir? Voilà, il me tourne très bien aussi. Voilà. C'est juste écrit très blanc. Enfin, les pages sont fort blanches. Voilà. Il nous en reste plus que 4 à découvrir. Ça fait déjà un moment. Celui-là aussi, il me tourne beaucoup, 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 beaucoup. À croc à la lune, tome 1, chez Plume du Web, de Lydia Moité, je sais pas comment ça prononce. J'aime beaucoup cette couverture. Je vais pas lire la quatrième de couverture parce que j'ai vraiment pas envie de en savoir plus, mais j'ai envie de me plonger dedans et j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez voir les petites pattes partout sur le livre. Voilà, du coup, voilà. Après, celui qui est arrivé aussi et qui est fluffy comme tout. Le secret du roi, Marie Valande, chez Brachlon. J'aime beaucoup. Regardez ça. Voilà. J'aime beaucoup truc. J'ai trop envie de lire. J'ai trop envie de me plonger dans la même maintenant. Mais je ne peux pas parce que j'ai d'autres livres à lire pour le moment. Pour le moment, je suis dans un palais d'épines et de roches. Presque la fin.
enfin, je suis à la fin, il me reste, je sais pas combien de pages, mais voilà. L'avant-dernier livre que faut que je lise aussi, 200 de clume et de clume et de glace. Premier livre de Métamorphe de Michel Lafond de Alexandre du Lille. C'est un pavé aussi. Celui-là aussi, ça fait un moment qu'il me tente beaucoup à lire. Oh, il commence à être cracra en plus. Ah, il craque. Du coup, il faut que je le lise. J'aime beaucoup faire ça. Voilà. Et pour le dernier, c'est un petit... qui est trop beau. Celle qui devient le soleil de Bragelonne. De Sally Parquet. Chan, voilà, il est trop beau, c'est un toc-toc, il me le fallait absolument, je sais même pas de quoi ça parle parce que je l'ai pris parce que je voulais le livre, mais j'ai envie de le lire, depuis un moment il est là, il me donne très envie, là il n'y a pas grand chose, et au bout de deux chapitres je pense qu'il n'y a rien de spécial, voilà, j'ai trop envie, et j'aime pas lire la quatrième de résumé parce que regardez tout ce que ça donne. Où j'ai peur de me faire spoiler. Et je sais que c'est Shana, c'est celle qui a écrit le prix orangé, le prioré de l'oranger que j'ai pas lu. Je l'ai, mais j'ai pas lu. Voilà. Et du coup, pourquoi pas se faire celui-ci. Il est plus petit. Voilà. Je sais pas combien de pages j'ai fait. Parce que je ne sais pas où il faut deviner les pages. Il glisse dans ma main avec le 405. Voilà, 406 pages quoi, 406 pages, voilà, j'ai trop envie de me le faire, du coup voilà, je pense que cet été, lui, il va être lu parce que ça parle de soleil, pourquoi pas se lire au moment où on a du soleil, dans une ville rongée par la famille, le cœur plein de poussière, deux enfants reçoivent chacun un destin, le garçon est promis à la grandeur de la fille de Néant. En 1345, la Chine est soumise à une cruelle domination mondiale. Pour le pays familique du palais de Milo, milieu de la grande, n'existe dans les contes. Quand la famille Zhou apprend que Shoagba, leur fils, est promis à leur fabuleur destin. En plein imaginer comme s'accomplir un miracle. En revanche, nul ne s'éteint et que de deuxième fille de Shun, fille de débrouillard, ne le destin à rien. Voilà, il y a des noms bizarres en plus là-dedans. Voilà. Un roman a existé, une montée de pouvoir entre le palais de village, le champ de bataille, la lecture est transportée dans un monde extraordinaire, vivant d'une prose de Chenny, Paquichon apporte lumière et subtilité du thème de son désir, le genre, le pouvoir, le destin, déjà la classe. Voilà. Voilà pour les livres que je vous ai présentés, que je vais piocher cet été, à part s'il y aura d'autres qui apparaissent par magie. Il y en a déjà un qui va arriver et qui me tente. Il y a... je pourrais vous le montrer. Il est là, celui-là qui me tente beaucoup aussi, Basket Gull à l'intégrale, qui donne un aussi... Je crois qu'il y en a deux ou trois dedans. Je ne sais plus. Voilà. Il me donne très envie aussi de le lire. Pourquoi pas à le mettre dedans. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Sur ce, je vous ai tout montré. Dites-moi en commentaire le calife que je dois lire. Quel livre que vous avez envie de lire avec moi. On pourrait lire ça ensemble. Et sur ce, moi je vous laisse. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.